Salut à tous, c'est Goroshika sur roguelike.fr. Un petit DCSS, voilà, j'avais envie, donc j'ai envie, donc je le fais. Un petit DCSS avec l'Octopod. Je sais pas pourquoi, j'adore l'Octopod. Je suis complètement nul avec l'Octopod, c'est terrible, hein. Je dépasse rien du tout. Donc, mais j'aime bien. Alors je continue, voilà. Un octopode. On va faire un octopode. Je sais pas si je prends un wizard ou un Venom Mage. Allez, un Venom Mage. Et on va l'appeler Jean. Ah merde. Pardon. Hop. Jean. Octave. Voilà. Jean Octave, l'octopode. Pas belle la vie? On va mettre le spellcasting à fond, le poisoning à fond. C'est bon. Et qu'est-ce que j'ai d'autre, mon bouquin? Donc c'est un bouquin de Poisoner. Ah oui, la conjuration qu'il faut mettre à fond aussi. Qu'est-ce que ça fait, Sting, déjà? Merde, que j'ai foutu. Je suis trompé. Non, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je fais? Ah mais non, mais je suis pas dans le même écran. Là, on peut faire directement. Ça jette... ouais, ok. Cure Poison. Est-ce que ça vaut le coup de la prendre? Pourquoi pas. Ouais, bon. Okay. On va y aller, c'est parti. J'ai quoi comme... j'ai rien du tout, c'est bien. Et comment je suis? Je suis un amphibien, c'est bien. Ok, je peux pas porter d'armure, forcément, je suis un octopode. Je peux en constrict les ennemis, donc les entourer avec mes tentacules, et j'ai pas mal de steals, ok. Et évidemment, je peux mettre plein de bagues, donc il y a intérêt à trouver des bagues vite, sinon ça va mal se passer. On va mettre tout de suite le sting sur la lettre F, comme ça j'ai juste à faire deux fois. Voilà. Je l'ai tué. Ah! Petit problème de choses qui se téléchargent tout seul. Encore une fois, la souris, où c'est que je la mets? Je la mets là, ça gêne pas. Si, ça gêne, c'est chiant cette souris. Voilà, ouais, ça gêne. Hop. Ah, j'ai plus de. J'aurais dû regarder ma vie. Non, c'est bon, il est mort. C'est bien le poison, ça tue les trucs. On va faire remonter le poison. Alors là, ce qu'il faudrait que je trouve, c'est un chapeau de magicien. Un wizard hat et évidemment et des bagues, plein de bagues s'il vous plaît, plein de bagues. Qu'est-ce que c'est ça? Oula. Ah, alors là, par se téléporter. Ok. Ah putain, j'ai plus de... bon, elle va bien mourir toute seule, cette chauve-souris, non? Je vais aller attraper la lance, là. Mince. Hop. Voilà. Ça, on va essayer de taper la chauve-souris avec la lance. L'octopode avec sa lance. Mort de rire, le truc. N'importe quoi. C'est n'importe quoi, ce jeu. J'aime bien. une hache. Est-ce que je prends une hache? Je préfère la lance ou la hache? Ah, je préfère la hache peut-être, non? Tu vois? Ouais, je sais pas. Bon. Ok, c'est parti. Oh, je suis trop loin. Hop. Niveau 2. Je peux apprendre un nouveau sort. Et on... ah. Est-ce que j'apprends le Cure Poison? Pas sûr. Pour l'instant, peut-être pas sûr. C'est pas quand même le truc le plus utile au monde. Là, j'ai des gants. Je peux porter des gants. Là, il y a une super armure. Là.
Putain, chier. Je serais un Minotaure, pas de souci. Mais je suis une pieuvre en français, dans le texte. Hop. Allez hop. Tac, tac. Je fais un peu d'auto-explore au début, là, parce que sinon, s'il faut tout faire à la main, on n'y arrive pas. Oh, une bague! Yes! Mince! Ah, j'ai jeté ma... Ah oui, parce que je suis trop loin. Hein? J'ai jeté ma lance. C'est rigolo. Oula, il y a du monde. Calmez-vous, les mecs. Calmez-vous. Hop, meurs, toi. Meurs, meurs. Voilà, tout le monde meurt. Allez. Mourez tous, ça me fera plaisir. Alors, vite la bague. Là, il y avait un parchemin. Voilà, il est mort. Voilà, c'est mort. Paf. Alors, on va tester des parchemins pour voir s'il n'y a pas un parchemin d'identification parce que j'aimerais pas me mettre une bague maudite tout de suite. Donc, on va lire ça. Super, ça sert à rien. On va lire ça. Ah, peut-être que ça, c'est bon. Yes. Oh! Ring of Poison Resistance. Putain, c'est bon, ça. Alors, j'ai un sort pour me guérir du poison, et en plus, dans tous les cas... Donc, j'ai bien fait de pas la prendre, parce que, avec cette bague-là... hop, voilà, je vais la mettre. Et voilà, et donc, maintenant, le petit plus à côté de Resistance Poison. Super. Ça, c'est plutôt bien. Oups, on va se cacher là 2 secondes. Voilà. Il m'a pas vu. On va essayer d'empoisonner l'autre. Je peux pas, je suis trop loin. Hop, voilà. Ah, j'ai plus rien. C'est pas grave. Okay. J'en suis où au niveau. Pardon, au niveau des skills. Axe plus 2. Ouais, c'est pas mal. Conjuration, est-ce que j'en ai besoin de conjuration dans mon bouquin là? Ah oui, pour Sting, ah oui, c'est pas bête ça. Je vais le mettre en route un peu aussi quand même. Parce que. Ouais, j'en aurais besoin. Qu'est-ce qu'il fait le D? All Grabs Toxic Radiance. Dispel Bath, the caster shining in a sticky green light, inflicting poison on every nearby. Ah. D'accord. Bon, ça poisonne tout le monde et puis moi aussi. Mais si j'ai des résistances au poison, ça peut être pas mal. Bon, c'est pas pour tout de suite, de toute façon. Hop. Ah mince. Il y en avait 2. Non, c'est là. Oh, je l'ai raté l'autre. Dommage. Hop. Niveau 3. On va monter l'intelligence. Car plus il y a d'intelligence, plus il y a de sorts. Et ça, c'est bien. Ah, trop loin. Hé hey. Allez, non. T'es dur à tuer, lui. Oh! Allez, je prends ça. Ah, mince, je me suis trompé. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Ça, voilà. Ah, curse glowing. Ah, fuck me. Est-ce que j'ai un truc pour me décurser? Non, ça c'est pour blinker. Je prends le blinker. Are you sure? Yes, I'm sure I want to cancel the blink. R Skull of Fear S Ancient Weapon. Ah, ça me l'a décursé. Mais à mon avis, c'est un peu de la bouse ce truc, vu qu'elle était cursée. Donc on va reprendre l'autre. La hache. Hey, ça l'empoisonne pas. Oh, je l'ai tué avec ma lance. C'était pas prévu. J'appuie un peu vite. Et ben voilà, on a fait le tour, non?
petit bout de pain, c'est bon. Allez, on descend. Faut aller vite, là. Faut aller vite. De toute façon, dans 4 minutes, je suis mort, donc c'est vite vu. Je me connais. Avec l'octopode, je meurs vite. Ah, je suis trop loin. Ça, ils empoisonnent plus. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, hein? Ok. Ah, bah ça le tue direct. Là, ça l'empoisonnait. Là, ça l'a tué. Ah, je suis nauséeux. J'ai mangé de la viande pas fraîche. Oh là 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 là. Quoi? Je suis au donjon 2. Il y a déjà Jessica. La putain de merde. Je sais plus si elle est dangereuse, Jessica. Jessica. Ah oui, c'est du apprenti sorcier. Donc elle est sûrement dangereuse. Donc on va pas y aller tout de suite. On va attendre 2 minutes. On va fermer la porte, tiens, voilà, comme ça, moi. Oula, non, ça c'est bon. On va la laisser dormir, hein, la Jessica. On va essayer de monter au niveau 4 avant de la taper. Tiens, une hache toute seule. Je l'essaye? Je l'essaye. Bon, pour l'instant, je sais pas. Je vais pas utiliser mes sorts d'identification tout de suite, parce que... Je vais les garder pour autre chose. Tiens, on va le laisser s'empoisonner tout seul. Hein. Hop. On va défaire ce piège. Si j'y arrive. Voilà, je suis arrivé. Et on va remonter la vie. Et on va détruire ce gobelin. Comme on dit en français. Voilà. On va remonter la magie et la vie. Tac. Un peu d'or. J'ai faim. Mange. Ah non, j'ai plein à manger. Enfin, j'ai plein de trucs à manger, mais j'ai plus rien de gratuit. De viande. Est-ce que ça... Non, je peux pas utiliser ça. Alors... Ouh, attention, j'attaque une plante. Et oui, comme je suis un amphibien, je peux... Ah, je suis near starving. Merde. Ça, c'est pas bien, ça. Tiens, bah lui, il va me donner sa viande. Hop. Voilà, je suis nauséeux, mais au moins... Hungry. Il n'y a rien caché là. Oula. Comment je vais m'en sortir là? J'ai mis en construction 2 plantes. C'est bien, on peut taper plusieurs ennemis à la fois. J'aime bien le concept. Il faut que je trouve de la nourriture. À moins que j'en ai encore. Ah bah non. Je peux pas rien manger. Je suis nauséeux. Toi, t'es empoisonné, mais ta vie ne baisse pas. C'est incroyable. Ah, des chiens-chiens. Est-ce qu'ils m'ont vu? Non, ils m'ont pas vu. Là. Hop, un peu de bouffe. Merci. Ah, elle est toujours mal au ventre. Encore un rat, chien mort. Il y a un rat mort. Là, il y a un gobelin, comme on dit en français, mort. Ah, une chauve-souris morte. Tout le monde est mort, c'est génial. Tout le monde meurt. Mourez, mourez. Un arc. Ouais. On a foutu de la marque, je crois. Ça ne m'intéresse pas. J'ai faim. J'ai faim. J'ai plus faim. Un rat.
Allez, voilà. Pas mourir. Terrible ça, Syrah qui veut pas mourir. Ouh là là, ça va vite. Je vois rien. Ça va vite. On auto-explore, des fois, ça va quand même un peu trop vite. Je vais tomber sur Jessica. Oh non, c'est bon. Je suis en foyer. Oh, niveau 4. Ben voilà, ça c'est bien, niveau 4. J'aime bien. Niveau 4, ben, je peux apprendre des trucs. J'ai 5 spells. Le Toxic Radiance, je sais pas si je le prends. Fais voir. Description de B. Ah oui, Hunger, c'est beaucoup quand même. Ça aussi. Cure Poison, je n'ai pas envie. Je crois que pour l'instant, je vais rien. Peut-être le B quand même, l'utiliser un peu des fois. Je sais pas. Ouais. Allez, on essaye. Ouais, c'est parti. Bah, ça peut peut-être être utile. Je sais pas. Hein. Et le A, donc, c'est quoi? Ah oui, c'est la lumière. Est-ce que je peux apprendre quand même Cure Poison? Ah non, j'ai pas assez. Ben déjà, je vais changer de lettre, ce truc. On va le mettre en R, tiens. Voilà. Radiance. J'ai raté. AR, voilà. J'essaye. Ouh, là. Ah, je l'ai raté en plus. Super. Alors là, il y a toujours Jessica. Alors, est-ce que j'y vais à la Jessica? Je vais remonter ma magie. On va tenter. Non, on va pas tenter. Je vais déjà descendre. Et on la fera après. On va se monter un petit peu parce que moi, je te dis que ça risque de me retourner dans la chetron. Des javelins. Ah non. Javelot. Oula. Il y a du monde. Ah bah, ça marche bien maintenant le Steam. Je sais pas quoi. De l'or, de l'or, de l'or. Je suis riche. Bon. Il va mourir tout seul. Et voilà. Ah, j'adore. C'est vrai que le poison, c'est quand même fun. Ah merde. Là, il me faut un ennemi là qui me donne de la nourriture parce que. Ah. Ah oui, je peux même pas envoyer de sort tellement j'ai faim. Oh, une autre bague! Putain, c'est génial ça. Oh là là, c'est moins génial. Oh là 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 là. On va manger. Oh, je suis mort! Oh, c'est pas vrai! Je vous l'avais dit! Avec l'octopode, je meurs hyper vite, juste devant la deuxième bague. Ça m'énerve! Ah, ça peut m'énerver, ça! Bon, allez, on recommence, non? Combien j'ai fait de temps là? 18 minutes, c'est minable. Oh. C'est minable. Allez, Jean-Octave, round 2. En Venom Mage. Alors, ça va pas être passionnant si je recommence toutes les 10 minutes à faire un truc. Non, mais il faut que j'arrive un peu mieux quand même. Putain. Oh, il y avait une deuxième bague et tout, j'étais tout content. J'aime bien trouver des bagues, moi. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est trouver des bagues. Voilà, allez hop. Hop, hop. Ok. Meurs tout de suite. Allez hop. Non, je suis trop loin là. Pourquoi il remonte sa vie là? Ah, ça y est, il est mort. C'est vrai que j'ai mal joué. Il suffisait que je me recule un peu, histoire de me refaire. Alors j'évite Jessica et je joue comme un con. Ça m'énerve.
J'aime bien. Je suis trop une quiche avec l'octopode. Je sais pas pourquoi. Je crois que je vais trop vite. J'ai envie d'aller vite, hein. J'ai envie de trouver des bagues et tout, quoi. Ah merde. Attendez, là, c'est un peu con ce que je fais. Putain. Ah bah, je crois que je vais mourir tout de suite. Comment tu veux que je m'en sorte? Il est aussi rapide que moi, le machin. Oh. Ah merde! Ah, c'est bon, je l'ai eu. Oh la vache! Je fais n'importe quoi! Alors, l'octopode, les stratégies de l'octopode, par Gour Yoshika, tu fonces dans le tas, tu fais nimp, et peut-être que ça passe ou pas, enfin, on sait pas. Oh, allez, de la nourriture, plein. Ah bah oui, mais alors si tu le rates à chaque fois aussi, on va pas être copains. Qu'est-ce que c'est que ces plantes là-bas, là? Ouh là, il y a de l'or. Putain, il y a de l'or, bien. Ah! Il a décidé de me faire chier. Ah bah, il est mort tout de suite. Putain, toute cette tout store, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu autant d'or. Mais je suis riche! C'est là que je vais pas trouver un shop avant 40 ans. Yes. Et là, il y a quoi dessous? De l'or, de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Plein d'or. J'ai combien en or? 130 pièces d'or! C'est pas beaucoup. Combien? 130 pièces d'or? Mais c'est rien. Bon, là ça va, je me démerde bien, j'ai faim, mange, voilà. Meurs du premier coup. Hop. Trop loin. Hop. Super, il est mort. Ah, niveau 3, intelligence. Alors l'intelligence, elle monte. Dans mon perso, mais moi par contre, c'est pas gagné parce que vu comme je joue comme une quiche, oh, j'avais deux bagues, j'étais tout content. Parce que l'idéal quand même, c'est de trouver des bagues à fond quoi. Il y a 8 emplacements de bagues. Bon, faut les utiliser quoi, sinon ça sert à rien. J'avais joué une fois avec un octopode, mais je crois que c'était dans les premières parties où je trouvais pas de bagues. J'étais là, putain, je suis qu'au niveau 7 ou je sais plus combien, j'étais là, je suis dégoûté quoi. C'est usant. T'es là, t'as une possibilité et tu peux pas l'utiliser, c'est nul. Ah, une hache, on va prendre, pas sûr. On va l'empoisonner. On va laisser venir, on va le réempoisonner. On va laisser venir, ouais. C'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. En plus, je sais comment faire. Oh, il y a l'hôtel de je sais pas qui là-bas. Par au-dessus. Ah non, c'est. Qu'est-ce que c'est que cette affaire là? Ah si. C'est quoi ça? Ah non, translate. Ah non, mais il m'intéresse pas. Et là, c'est qui lui? Can't see this place. A human. Fireblock, bah. Ok. Qu'est-ce qu'il fout là? Je peux mettre ça? Oh, je peux rien mettre du tout. Pas sympa ça. J'aime pas. Est-ce que j'ouvre la porte là? Je le tue? C'est quoi? C'est un ami? C'est quoi? Non, c'est pas un ami. Oula. Ah si, c'est. Non. Indifférent, il est. Bon. Ça sert à quoi? Je peux le tuer? Je le tue ou pas? Ah, j'arrive pas à le tuer. Ah oui, je peux pas le target. Bon, moi je l'ai tué. Ah! Yared est nul. Welcome to dead. Ah bon, il est content. Ah! Ça a ouvert la porte de le tuer. Là, non, 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 non. Ah, oui. Oui, mais ça, c'est le dieu.
Putain, c'est marrant, je connaissais pas ça. Faut tuer un mec et tout. C'est le dieu de. Ouais, c'est le dieu des nécromanciens. Alors, ça m'intéresse pas vraiment. Parce que je suis pas un nécromancien. Moi, il me faut Sif Moura, je crois. Mouna, je sais pas. Ok. You're feeling hungry. Ah merde. Ah ben, c'est qui là? Ah, c'est le même? Non, mais... Il y a deux fois l'hôtel. Ça, c'est bien la première fois que je vois deux fois le même hôtel. C'est hyper chelou. Oula. Hop. Meurs, meurs. Mange. De l'or plein. Oula! Un truc. Je sais même pas ce que c'est ça. Night, je sais pas c'est quoi. Une mythe? Enfin, c'est peut-être trop simple. Ah, mais il est mort. Ah, des chiens-chiens. Chien-chien mort. Niveau 4! Mais pas de bague. Ça m'emmerde, velu. Parce que moi, je voulais une bague. Est-ce que je prends une autre arme? Ça, non. C'est-à-dire que comme j'ai steel, je peux faire du stabbing avec la dague. Voilà, on va prendre ça peut-être. Il faudrait une venom dague là, je sais pas. D'ailleurs, venom truc. Ce serait pas mal, non? T'es trop loin toi. Toi, t'es mort. Tortue. Ben, j'ai fini, j'ai tout. Ouais. Allez, on descend. Hop. Voilà, t'es mort. Ah merde. Meurs. Hop, fin. Oh, ça se passe pas mal là. Bon, j'ai pas de bague. Ça m'emmerde. J'ai déjà dit 40 fois, je sais. Mais ça m'emmerde. Parce que moi, je veux avoir des bagues. Je sais pas si je vous l'ai dit, je veux avoir des bagues. Un piège! Non! Mais je suis fini! Oh, merde. J'aurais pu peut-être. Ah! Une épée. Ouf. Non. Oula, alors. Ah bah ça, il meurt vite. Y a pas d'autres orques là. Un marteau. Mais t'es marteau. Oui, je fais des blagues pourries. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. C'est mon let's play. Bon, alors. L'octopode, ça réussit? Pour l'instant, c'est pas la grande folie. Hein. L'autre partie était un peu plus sympa. Il y avait une autre bague et tout. Non, mais genre, moi, je supporte pas quand je meurs à côté d'un objet magique, un machin et tout, et je sais pas ce que c'est. Et... Donc, j'aurais pu savoir si j'avais été un petit peu plus. Ah, lui, il est insensible au poison. Merde. C'est con ça. Ah, puis il va me tuer. Ah non, c'est bon. J'ai faim. Hop. Allez, bon, bah ça marche. Bientôt niveau 5. Oh, du fromage. Du fromage. Je l'ai dit en deux fois. Du fromage. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de le dire en deux fois. Niveau 5, je suis plus intelligent. C'est bien. Un sort magique en plus. Est-ce que j'apprends le... Le Toxic Radiance ou le. Ah, je peux appeler. Attends, Venom Bolt, ça fait quoi déjà? Je crois que c'est pas mal ça, non? A Bolt of Poison. C'est bon ça! C'est mieux que l'autre. Et sinon, j'ai le petit. Ah, je vais essayer ça.
Je vais essayer ça. Ah bah oui, mais... Je vais apprendre ça. Tac. Et je vais apprendre ça. Tac. Voilà. Et on va renommer tout ça. Donc, Cure. Alors, le Toxic Radiance, on va le mettre en R, comme tout à l'heure. Et le Cure Poison, on va le mettre en A. Je sais, c'est pas logique. Mais parce que le C, je le mettrai en... Ouais. Donc, je peux me guérir. Je peux pas la mettre l'armure. Alors là, si j'essaye ce truc, je l'ai mis en quoi? En R. Je l'ai raté. Je l'ai raté. Ah bah je peux plus. Je pense super. Bien réussi l'affaire. Hop. Encore. Ah bah là, je vais réessayer. Ouah. You radiate a quoi? Sickly. Ah, ok. Un truc qui rend malade tout le monde. Génial, ça. Ah oui, quand il y a plein d'ennemis. Hop. Ah ouais, je l'ai tué sans rien faire, sans lui tirer dessus. Oh, je le connaissais pas, celui-là. Je l'avais jamais essayé. Il est bien. Il est bien, mais il m'empoisonne. Et vu que j'ai plus ma bague pour me protéger, parce que la partie d'avant, j'avais cette super bague. Dommage. T'es mieux la partie d'avant, je suis sûr. Je suis sûr qu'elle était mieux. Ah bah là, zombie, squelette, ça va pas réagir au poison des masses. Ah bah il y a encore un zombie. Hein. C'est la tête aux zombies. Alors là. Donc quand j'arrive dans une pièce, genre une pièce quoi, avec plein de stremons dans tous les sens, je balance ça et ils meurent tous. Enfin, ils sont tous empoisonnés. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Y'a quoi là? Y'a rien. C'est passionnant. Des flèches? J'en ai à foutre. Je mange pas de flèches, moi. Hop. Toujours équipé de ma dague. Ouh, ça c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux les fourmis? J'ai jamais compris. Mais elles sont hyper hyper costauds ces fourmis. Par contre, elles résistent mal au poison apparemment. Wow. Tendu. On va fermer la porte. On va fermer la porte. Voilà. Oh! Oh, je l'aime pas, lui. Il m'énerve, lui. Il va me smiter dans la gueule. Oh, putain. Intelligence. Oh! Putain de merde. Là, il me faut une potion, sauf que je sais pas, la L. Non, je suis encore mort. Mais c'est pas vrai. Mais j'arrive pas à mourir. Oh nom de Dieu. C'est pas possible. C'est incroyable. Je suis complètement nul avec avec lui. 34 minutes, je suis mort deux fois. Je suis nul. C'est la grosse lose. La grosse lose. Bon, ben... Ah, c'est énervant. Alors, Jean-Octave, allez, j'en fais encore une. J'en ai rien à foutre. De toute façon, t'as le temps ou pas t'as? Ou t'as pas le temps? Moi, j'ai le temps. Alors, c'est bon. Allez, c'est reparti. Oh, faut tout refaire depuis le début. Putain, ça m'énerve. Oh, nom de Dieu. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce que je suis nul. Pourquoi je suis nul comme ça? Je vais trop vite. Hein. J'étais moins mal parti. J'étais arrivé à rester 2 minutes. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ai une dague. Ça, c'est pas mal, par contre. Du pain. Magnifique, le pain. J'aime beaucoup, le pain. C'est bon. Mangez-en. Est-ce que vous connaissez le pain au petit épeautre? C'est très bon.
C'est pas souvent qu'on en trouve, mais chez moi, il y en a. Ben, c'est super bon. Et en parlant de pain, je commence à avoir faim, mais en vrai, pas dans le jeu. Bon, ben, je perds et puis je vais manger. C'est un peu ça, les roguelites, tu sais. Ouais, j'arrive, je perds, j'arrive. De toute façon, je perds. Donc. Ouh là là, ouh là 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 là. Alors lui, il va me taper tout de suite. Si j'appuie sur F5, ça marche pas. Alors, on va essayer de le taper de loin. Il est empoisonné, on va le laisser venir. Ouais. Il est mort. Niveau 2. Non, ça. C'est rare quand il y en a au niveau 1 de ces machins. Hein. Les gnolls. Les gnolls. Comment on dit? Comment on dit? Ça m'intéresse. Hop, meurs. Ah, trop loin. Meurs. Bon, ça se présente pas mal. Voilà. Je pourrais pas avoir un super objet magique là, plutôt que des armures que je peux pas mettre, que ça m'emmerde. Ah non, je peux pas y manger. Ah, trop loin. Niveau 3, intelligence. Bon. Faut aller vite là, parce que ça fait déjà une demi-heure que je joue pour rien. Puis à un moment donné, ça énerve. Hé! Hé! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais meurs, nom de Dieu! Hein? Je veux pas s'empoisonner. Il avait sûrement une résistance au poison. Est-ce que. Voilà. Est-ce que j'apprends un sort vite fait? J'en ai trois. Hop, le B, tiens. C'est pas mal le B. Oui. Allez. On va changer un peu de tactique là. Parce que ma tactique d'avant, elle n'était pas formidable. On va se mettre en. Voilà, Air Magic comme ça. Alors oui, il faut que je change de lettre ici. Le A, je vais le mettre en C. Voilà. Comme ça, je peux balancer. Ouh, une bague! Ah! Yes! Donc là, je trouve une première bague. Donc en théorie, je suis mort dans 2 minutes. C'est l'idée. F. Ah, je peux voir l'invisible. Ça m'intéresse beaucoup. Ah oui, see invisible. Putain, c'est génial. Ah putain, c'est génial. Parce que qu'est-ce que c'est énervant quand t'as une créature invisible qui te tape là, tu sais pas où c'est, ça t'enlève le. En plus, ça t'enlève le. L'auto-pick-up, donc c'est complètement chiant. Ah, elle a l'air pas mal, cette. Fais voir, je l'ai. Je sais pas. J'ai faim, en vrai et dans le jeu. Bon. Bon, la bague que j'ai trouvée, c'est pas non plus. C'est pas genre la bague avec strength plus 3 ou dextérité ou j'en sais rien, tu vois.
C'est si invisible, quoi. Ça va, c'est pas non plus. On va pas non plus sauter de joie. Il y a quand même mieux. Bah, dis donc. Agressif. Ah merde, j'ai plein de bouffées de gratuit. Hé, hey, empoisonne-toi, toi. Suis-moi, voilà, viens là. Re-empoisonne-toi. Voilà. Suis-moi. Re-empoisonne-toi et meurs. Voilà. Bon, là, ça va. J'ai bon. C'est quoi ça là-bas? Merde. C'est quoi ce truc? Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Ah non, c'est de l'or. Nul. Je veux pas de l'or. Je veux des bagues. Je sais pas si c'est clair. Mais, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font tous là? À s'énerver. Il est mort? Ah ouais, sans doute. Oui, il m'a perdu de vue. Merde, je l'ai pas vu. J'ai la nausée. Goblin Corpse, ça m'intéresse. Poison Needle. Je suis déjà un Venom Mage. Poison Needle. Je les connais les mecs là. Alors, ouais. J'ai faim. Ah non, je peux pas manger parce que je suis nauséeux. Allez, Jean Octave. J'aime bien Jean Octave. Ça me rappelle 99 francs. Il s'appelait Octave dedans. C'était marrant ce film. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui n'ont pas vu, je conseille. Bon film. Merde. Merde, j'ai plus de magie. C'est con ça. Ça ne veut pas l'empoisonner. Hop, je m'en fous. Hop, je descends. Hop, il est mort. Je suis demandé. Hein. Ah, j'ai faim. Cool. Qu'est-ce que j'ai pris là? Rien du tout. Encore un merde. Alors, c'est vrai que j'utilise pas beaucoup mon autre sort là. En même temps, pour l'instant, j'en ai pas vraiment eu besoin. Combien j'ai 2 spells left. Ouais, je vais apprendre ça, parce que de toute façon, il me faudra. Voilà, j'ai faim. Hop. Plus j'utilise mon sort, et plus le hunger spell descend. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça reste pas longtemps empoisonné ce machin. Voilà. Ah non, je peux pas le manger tout de suite. Bon, une deuxième. Qu'est-ce que c'est ce machin? Ah, Naga Barding. Ah. Et oui, mais je ne suis pas un Naga. Donc, ça me sert à rien. Putain. M'énerve quand on trouve des machins comme ça. Tu trouves des super objets, tu sais, puis t'as pas la classe pour, quoi. Enfin, t'as pas la race pour. Et là, t'es là, tu fais. Ah merde, je chie. Merde.
J'aurais eu une autre race, c'était bon. Comme quoi. Oh! Oh, c'est pas bon ça. Parce que alors, les killer bees là, c'est un truc de malade. Je peux peut-être utiliser mon Cure Poison. Je l'ai appris exprès. Oh là là, la flip. J'ai cru que j'allais encore mourir, dis donc. Il y avait l'homme qui valait 3 milliards, et puis il y a l'homme qui vaut pas un radis, et qui meurt toutes les deux secondes. L'octopode qui vaut pas un radis. Jean-Octave, l'octopode qui vaut pas un radis. Tiens, c'est bon, ça. Ça, c'est le fantôme d'un de mes persos d'avant, que j'avais appelé Roror. Oui. C'était un Demon Spawn Nécromanceur. Eh ben, oui, parce que j'aimerais bien le jouer, ça, un jour. Et un nécromanceur en Demon Spawn. Fais voir si je peux le tuer. Je peux pas le tuer. Je suis mort. Bientôt. Oh la mise! Un escalier, vite. Vite. Il me reste 4. Putain de merde! Oh là là, la misère sociale. Oh. Ça, c'est vrai que effacer la morgue, c'est quand même pratique pour survivre. Oh, bon, là, je l'ai tout fait. Donc, on va descendre par un autre endroit. Ah, une bague. Ça m'intéresse bien. Golden Ring. Hop, j'ai rien à manger de... Si, j'ai ça à manger. C'est tout. Alors, est-ce que j'ai un sort pour identifier? J'en ai 5. Et ma bague, c'est... A Ring of Magical Power. Oh putain, ça m'augmente ma mana. Oh, c'est bon, ça. C'est bon, ça. J'aime bien. Donc là, j'ai 10 de mana. Et donc là, normalement, j'ai 19! Ah oui, ça augmente pas mal, ouais. C'est bon. C'est bon, sauf que... Qu'est-ce que je peux apprendre comme sort? Rien du tout. Je sais ça. Et ça me sert pas à grand chose pour me sortir de mon fantôme là. Par contre, quand j'utilise le Sting, au moins ça n'utilise un peu plus de Spellhanger et il est quasiment au maximum. Donc ça c'est bon. Ça c'est pas mal. C'est plutôt la bonne nouvelle cette vague. Pour une fois, ça j'aime bien. Voilà. C'est ça que je veux. Être un octopode qui trouve des bagues super utiles. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Ah ben non, ils sont bien animaux ici. Hop, on se guérit, on prend un peu de viande, on mange, et voilà. Pas belle la salade, peut-être monter encore ça, on mange, peut-être monter encore, voilà. Oh, il est encore là. Ah, mais je peux pas l'empoisonner, j'ai aucune arme contre lui là. C'est vraiment la merde. Bah, tant pis, hein, je le tuerai pas, de toute façon, il peut pas me suivre normalement dans les niveaux. C'est un fantôme. Donc au moins, je suis sûr de mon coup. Si je change de niveau, il ne peut pas me suivre. C'est déjà ça. Niveau 6, intelligence, monte. Ça, c'est bon, ça. Est-ce que je vais dépasser le niveau 6? Parce que pour l'instant, c'est quand même pas la fête. Une autre bague! Non, mon Dieu! Ah, oh, ça y est, c'est ma partie. C'est la partie rêvée. Il n'y a que des bagues de partout. Y. Plus 6 Ring of Evasion. Mais c'est magnifique. Elle, c'est quoi? Un Cursed. Ah bah non, ça, je peux les dropper tout de suite. Hop. Drop. Alors, donc, en évasion, là, j'ai 12. Je vais me mettre cette bague. Et là, j'ai 18. Donc, comme je suis quand même... Ah là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et en dodge, ça monte doucement. Le dodge, le stealth, il est bon.
le stabbing. Ouais, le stabbing, je sais pas si je l'utilise un peu. Non, mais c'est surtout la magie qu'il faut faire monter. De toute façon, c'est la magie, c'est la magie. Enfin, je suis un magicien, donc c'est la magie. On peut compter que sur la magie. Alors, hop, et ben voilà. Moi, je te dis, ça s'est plutôt bien passé là. Là, je suis plutôt content. Voilà. Voilà, j'ai plein de magie, je peux en tirer plein des trucs. Hop, on se guérit du poison. Oh, c'est pratique, hein. Oh, la vache. C'est hyper pratique. J'adore. Là, il me faudrait une autre bague encore. Je suis un malade de bagues. Fais voir. Oh, j'ai trois bagues. C'est magnifique. Il n'y a quand même que l'octopode qui peut avoir trois bagues. Merde. C'est génial. Ça meurt vite là. Hop. Un peu de viande. Ah oui, chop, chop. Oh merde. Est-ce que je peux le taper? Je peux pas le taper, je vais mourir. Putain de merde. Oh non! C'est pas vrai, M. Je vole, mais j'en ai rien à foutre de voler. Il me faut autre chose. D. Non. J. Yes. Allez. Non. J. Oh putain. Je vais jamais y arriver. Non, je suis mort! Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Putain, pourquoi j'ai pas effacé cette saloperie de morgue? Bon. Eh ben voilà. Je me suis calmé. Non, ça ne m'énerve pas du tout, les roguelikes. Ça me rend très très calme. Qu'est-ce que j'avais comme truc? Oh non, j'avais une potion de mutation. Oh, c'est trop bien ça. J'aurais pu muter. Trois bagues, j'étais tout content. Bon bah voilà. Voilà, ainsi s'achève la vie de Jean-Octave. Jean-Octave, l'octopode, c'était un petit let's play bien 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 pourri, comme on n'en fait pas d'ailleurs, on n'en fait pas des let's play aussi pourris. Et bah merci d'avoir regardé, c'était bien fun. Je pense que je réessayerai quand même encore, parce que je suis un petit peu persévérant dans mes erreurs. Ça, j'aime bien. Je suis nul avec l'octopode, donc je continue. Et la prochaine fois, j'efface la morgue, comme ça je meurs pas. Je ferai peut-être aussi un petit Demon Spawn, un truc comme ça, parce que je trouve ça assez sympa, et je suis aussi bien mauvais, quoi. C'est-à-dire que le truc, c'est que par rapport au Minotaur Fighter, par exemple classique, c'est que, évidemment, le Demon Spawn ou l'Octopode, c'est moins facile à jouer, quoi. L'Octopode, t'as un en armure classe. C'est sûr que si t'as pas vite une bague avec une armure classe ou des conneries, c'est chaud, quoi. Au corps à corps, tu te fais taper tout de suite. Tu résistes à rien. Voilà. Bon, ben, à la prochaine. Merci et bon jeu. Jouez bien au roguelike.